parler un peu de tout. Il y a des choses que j'ai achetées il y a un petit moment et il y a des choses pendant Black Friday, donc c'est parti. On va commencer avec ASOS. Alors, rien de transcendant. Ce qu'il me fallait, des chaussons, et il y avait moins 20%. Et j'aime bien les tongs chaussons, j'adore. Et tout ce qui est pilou-pilou, donc celles-ci, elles étaient vraiment pas mal. Je sais plus à combien je les ai eues, je vous mettrai le prix là en bas. Et je crois que j'ai dévié donc à moins 20. N'hésitez pas à checker parce qu'en ce moment ils font pas mal de promos, même en dehors du Black Friday. Sans qu'on se le cache, en plus le Black Friday cette année ça dure un peu une semaine. Donc vous avez le temps de faire vos achats. Et c'est plutôt pas mal, moi aussi j'en profite. Ensuite j'ai ces magnifiques chaussures à vous montrer. Donc ce sont des bottes de chez Mango. Donc celles-ci, elles coûtaient 100 € et je les ai eues à 59,99. Donc franchement elles sont super belles. J'en avais pas des comme ça, totalement en nubuck et du coup voilà, beige. Je trouve que c'est super joli, ça va avec plein de tenues en automne. Donc voilà, toujours de chez Mango, un hoodies. J'adore la matière, c'est un peu une matière néoprène, donc hyper agréable au toucher. Franchement, on est hyper bien dedans. Donc j'ai pas arrêté de le porter ces derniers temps, c'est super chaud sans être lourd en fait. Et donc voilà, il y a une petite capuche. Et j'aime beaucoup le style, vous pouvez mettre ça, donc c'est toujours très décontracté. Mais même avec un peu une robe habillée ou en décalé avec une mini jupe, ça peut être super bien. Bon, en fait c'est le côté un petit peu complètement décontracté chez soi tout en restant habillé. Et c'est pas le sweat en coton basique, non vraiment c'est la matière qui fait tout. Hésite à l'acheter en blanc, vous le verrez si je craque en blanc, je vous le dirai sur Instagram. Donc le sweat il est à 39,99 et en ce moment vous pouvez l'avoir donc à moins 30 puisqu'il y a moins 30 chez Mango pour la Black Friday. Ensuite vous avez dû le voir depuis un petit moment sur mon compte Instagram, j'avais fait des photos, je l'adore, une cape pareil de chez Mango et franchement ça m'a tenu pas mal de temps déjà cet automne. Et vraiment que je vous en parle parce que je l'adore, les couleurs, la matière, tout. C'est une cape que vous pouvez porter donc par dessus un cuir, un simili cuir, une veste, vous pouvez ceinturer ou laisser comme ça tout droit. Non franchement avec des bottes, des bottines, ça passe. C'est une pièce coup de cœur. Elle coûte quand même 69,99. Il en reste encore sur le site Mango. Je vous la mettrai en lien en barre d'infos. Essayez d'avoir moins 30 dessus parce que franchement, c'est trop canon. J'avais aussi craqué sur des boucles d'oreilles. Je les trouve super jolies. Alors elles ont un côté très rétro. Ça fait assez madame. Elles coûtent à la base 19,99. Et voilà, ça décale un petit peu. Ça peut être très joli même avec les cheveux un peu relevés. Alors ensuite je vais vous présenter un magasin dont je ne parle jamais parce que j'y vais très rarement en fait. C'est un magasin en Normandie qui s'appelle Mademoiselle Sabi, donc à Potigny. Et voilà, je me suis dit, j'y étais vraiment par curiosité parce que je passais devant. Elle a des pièces très sympas, je trouve que ça reste assez cher pour ce que c'est. Mais parfois voilà, je trouve qu'il y a des petites pépites, donc n'hésitez pas à aller checker si vous êtes en basse Normandie. Et donc j'avais acheté cette petite blouse nouée en fait sur le devant. Elle est assez courte et c'est un peu une crop chemise. J'aimais bien le détail. Donc avec pareil un jean taille haute, c'est très très sympa. Elle coûtait, la petite chemise comme ça toute légère, 28 €. Ensuite il y a un site internet que j'aime bien. J'avais fait mes premiers achats cet été dessus, même au printemps d'ailleurs. Et j'avais acheté des chaussures et également un pantalon. C'est la troisième commande que je fais sur ce site. Et donc là j'ai craqué pour une surchemise. Donc elle est cette couleur là. Je trouve qu'elle est, la couleur elle est canon. Assez épais en fait, c'est un peu en lainage. C'est d'ailleurs complètement en lainage je crois. Et j'adore le motif, c'est un peu un motif, un peu comme les... C'est un peu un motif je trouve qui ressemble à une écharpe et en surchemise. Donc les surchemises c'est totalement tendance. Je pense qu'on entend pas mal parler, en tout cas si vous vous posez la question. C'est comme une veste avec la coupe d'une chemise, donc vous allez pouvoir la porter par-dessus autre chose. Donc vraiment c'est pour ça qu'on dit que c'est une surchemise, mais franchement j'adore. Et elle est un petit peu longue, donc vous pouvez très bien la décaler, pareil la ceinturer aussi. Je mettrai les liens des articles s'ils sont encore disponibles en barre d'infos et également avec les prix. Ensuite j'ai pris une robe chemise également. Alors c'est pas vraiment une matière, je trouve que c'est une matière qui se froisse super vite, c'est pas vraiment à ça que je m'attendais. Je crois qu'elle coûtait 25 € ou 30 €, je ne sais plus. N'hésitez pas à aller faire un tour s'il y a peut-être un code pour les Black Friday. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos si je en trouve un. Mais je l'ai testé, je l'ai essayé. Franchement,
C'est plutôt pas mal. Je pense également la ceinturée aussi avec des petits collants et des boots. J'adore. Ensuite, j'ai pris des chaussons. J'arrête pas avec mes chaussons. J'ai pris des chaussettes de chez H&M. Donc pareil, je crois que tout le monde connaît. 7,99€ le lot. Franchement, j'aime bien les petites soquettes là-bas. Un peu comme tout le monde, on achète nos chaussettes chez H&M. Alors ça, par contre, j'ai eu aussi pendant le Black Friday là. Donc je viens de les recevoir et je sais pas ce que je dois faire. Dites-le moi en commentaire si je les garde ou pas. En fait, je les adore. Ça fait un moment que je les vois et j'osais pas craquer parce que ça reste assez cher, je trouve, quand même, les Converse. Surtout en simili cuir comme ça, donc elles ont un côté hyper un peu abîmé, sali en fait sur la semelle. Et moi j'adore les grosses semelles comme ça. Je les ai en toile, je les porte, c'est incontournable pour moi, je les porte tout le temps en toile blanche. Et je me suis dit tiens, pour cet hiver ça peut être pas mal en simili, un peu montante, parce que un peu montante, complètement montante. J'en ai jamais eu et je me suis dit que ça serait top de tester avec robe, jupe, jean. Donc bon, écoutez, je vais essayer de m'y habituer. Franchement, c'est le côté montant en fait que j'ai du mal. J'aime bien les basses en général. Donc je vais essayer de m'y habituer, on verra si je les garde. En tout cas, ça valait vraiment le coup. Il y avait moins 40% sur le site Converse. Ensuite, en niveau déco, j'ai acheté des coussins chez Calico. Je vous mettrai la photo ici des coussins. Franchement, je les aime beaucoup en blanc. J'ai complètement zappé de les prendre pour faire la vidéo. Mais je vous mettrai la petite photo. Franchement, ils sont super sympas. Ce que j'aime bien avec Calico, c'est que vous avez la housse, mais dedans, vous avez aussi le coussin. Et quand vous l'achetez, c'est tout raplapla et dès que vous l'ouvrez, hop, il prend sa forme. Et ça, je trouve ça top parce qu'à chaque fois qu'on achète une housse de coussin, il faut acheter le coussin à côté. C'est pas toujours agréable. C'est un petit pot à fleurs et j'adore parce qu'avec la matière panier, je trouve que ça réchauffe vraiment la déco et je trouve que ça donne un petit côté vraiment cosy aux plantes également. Maintenant, niveau produits et make-up, j'ai également commandé, je pense que je vais vous faire une vidéo crash test. En fait, c'est un eyeliner noir pour le coup et vous l'appliquez, vous pouvez mettre les fossiles et ça colle directement le fossile. Pas besoin, ça marche apparemment avec tous les fossiles et je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas me plaire. J'ai pas le temps de mettre de fossiles, je me suis dit tiens, je vais l'appliquer juste pour la journée pour voir que déjà qu'est-ce que ça donne et ça fait coller un petit peu la paupière. Donc déjà, je pense que si je mets le fossile dessus, peut-être que ça ne me collera pas la paupière, on va lui donner une chance, mais peut-être que je vous ferai une vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez avoir une revue dessus. Mais c'est Luffy, je crois, qui en parlait, comme quoi c'était révolutionnaire. Donc je me suis dit, bon, je vais tester, c'était pas très très cher. Donc j'ai commandé ça. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai parlé d'un site qui s'appelle Notino. Et c'est pas la première fois que j'en parle. Je suis pas du tout sponsorisée pour en parler. Et j'étais tombée sur ce site parce que vous avez pas mal de marques qu'il n'y a pas forcément partout. Et également, je trouve qu'il y a aussi des produits qui sont pas très chers. J'avais commandé un masque à 2,90€ au lait de chèvre pour les cheveux qui est très bien et je trouve que voilà, vous avez des petites pépites sur ce site. Donc là j'avais refait une commande et donc n'hésitez pas à me suivre vraiment sur mon compte Instagram parce que je vous montre quand même pas mal de petites choses au quotidien. Et donc j'ai commandé 1 litre de shampoing, je pense que j'en ai pour un petit moment s'il vous plaît. Et c'est le Blonde Me de chez Schwarzkopf à la kératine, donc sans sulfate. Voilà, je voulais vraiment, je fais vraiment attention à pas trop prendre de sulfate parce que ça assèche beaucoup les cheveux. J'ai pris également un soin à l'huile de coco, huile d'argan marocaine, donc ça plus un après shampoing. Et donc c'est le plus naturel, on va dire, de chez Kérastase. Dans la gamme Aura Botanica, vraiment pour ce qui est cheveux ternes, dévitalisés. Donc après je pense que c'est un peu moins fort qu'un masque, moi qui ai l'habitude de plutôt utiliser des masques. Et autre produit donc que j'aime beaucoup, c'est le Supernatural Spray de chez Color Wow. Je sais pas si on dit comme ça. Et lui il protège contre l'humidité, ça évite les frisottis le deuxième jour après votre shampoing. Et ça j'aime beaucoup, je le trouve, il gaine un petit peu aussi le cheveu. Donc ça vous le trouvez pas partout. Donc voilà, j'ai trouvé sur Notino. N'hésitez pas à y faire un tour si vous cherchez des produits. N'hésitez pas à y faire un tour donc si vous cherchez des produits qu'il n'y a pas partout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et puis, bien sûr, à partager également mes vidéos à vos amis, à votre famille. Ça permet d'aider à faire connaître ma chaîne et mon compte Instagram. Je vous fais plein plein de gros bisous. Mouah ! Bye ! Escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating.